Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit déjà au milieu de nous. Père, nous nous recommandons encore une fois dans tes mains. Seigneur, ces quelques moments, ces quelques minutes d'exhortation, nous te les consacrons. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons parler de toi. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous prions, Seigneur, que toi-même, tu places les mots justes dans nos cœurs, afin que nous puissions les transmettre à ton peuple. Seigneur, merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ta soeur qui est à côté. À ton côté. Cette soirée, c'est la soirée de Saint-Esprit. Cette soirée, c'est la soirée du 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 Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit honoré au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit honoré au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit honoré au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit honoré au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit honoré au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit respecté au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit respecté au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit craint au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Comme nous venons de le déclarer, c'est la grande soirée du Saint-Esprit. Ladana, ce jour, c'est un grand jour pour l'Église. Jésus revient. Jésus revient. Pour le planète. Parce que c'est, en réalité, c'est ce jour que l'Église Jésus revient de Kaneta est en train de naître. Est-ce que quelqu'un est content ici? C'est ce jour où l'Église Jésus revient. Jésus revient, hein? De Kaneta. Kaneta. C'est ce jour que l'Église est en train de naître. Alléluia. Et quand on parle de naissance, quelque part il y a de géniteurs. Alléluia. Quand on parle de naissance, quelque part il y a le Père. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un engendre. Pour qu'on parle de naissance. Et cette soirée,
est consacré à ce Père qui engendre l'Église. Qui est le Père qui engendre l'Église? Alléluia. Qui est le Père qui engendre l'Église? Nous avons vu les disciples du Seigneur Jésus marcher avec le Seigneur pendant 3 ans et demi environ. Et nous avons vu le Seigneur Jésus leur parler. Notamment surtout dans le livre de Jean, Jean 14, vers Jean 7. Leur parler de quelqu'un qui va venir. Les apprentis sont suffisamment outillés. Oh, vraiment, on prend le look la mie. Quel est cet apprenti qui va passer 3 ans et 10 ans? Il est grave, apprenti que c'est pas grave, samedi, samedi. Avec son maître, Annie attend, grandé, et il ne va pas pouvoir représenter valablement le maître et opérer. Que ça, au bout, sur mon commis, Michel a accounatri. Parmi les disciples
parce que tu as reçu une certaine grâce. Donc vraiment, on est tout, vraiment pas au la main, parce que de la part du maître. De la part du maître. Et quelle autre prière pouvait chercher à défendre le maître à tout moment. De la même manière, le maître a un amour intense pour quelle autre prière ou Jean. C'est de cette même manière que Pierre pouvait dire, mon maître, je t'aime beaucoup. Allez là, à tu vas et non seulement je peux te représenter, mais aussi je peux te défendre valablement. Et un jour, Pierre qui a ce genre de pensée. Un jour, il entend le maître en train de dire. Et Pierre dit jamais, maître, la soeur, moi je ne peux pas être ici, mais on va te tuer. Ce genre de choses ne peut pas se passer. Pierre insiste. Et dit, maître, jamais on ne peut pas te tuer. Moi je ne peux pas être ici, on va te tuer. Mais le maître le regarde et dit, je vois que tu as la bonne volonté. Tu as passé plus de 3 ans avec moi. Je pourrais dire que tu es mon apprenti privilégié. Je pourrais dire que tu es mon apprenti qui a vraiment reçu, qui a vraiment appris à m'écouter. Je peux te faire confiance. Mais je sais que là où tu es en ce moment, je sais que quand le moment sera venu, alléluia. Alléluia. Il s'agit de quoi? On t'a réveillé, tu es fâché. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Alléluia. Pierre. Viens. Il dit non. Maître. Ça ne marchera pas. Le maître me regarde et dit non. Le maître sait pourquoi il dit ça. C'est pas que Pierre est incapable. C'est pas que Pierre. Non, il n'a pas la bonne volonté. Peut-être qu'il est bien capable. Pierre croit que c'est quelque chose de charnel. Pierre croit que c'est
Mais c'est les esprits qui ont pris le contrôle.
de Pierre. Ni le bain Pierre. Si ce n'est que la petite pierre devant Pierre, alors le Pierre pouvait la jeter, la jeter pour qu'elle ne passe qu'en friant. Elle dit toi qui te devant moi. Mais en réalité, ce n'est pas cette petite. Ce sont ces esprits qui sont en train d'intimider Pierre. Tu veux Pierre. Et Pierre dit Pierre beau. Ah, je ne comprends même pas ce que tu dis. Il va vite planter là. Il dit à la petite, je ne comprends pas. Ma peau. Un père de famille qui voit une petite. Un homme avec la petite l'intimide. Et Pierre dit ça. Et il va se cacher. C'est là qu'il va se rappeler. Il entend le corps de chanter. Et Pierre se rappelle maintenant. C'est ce que son maître l'a dit. Pierre commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Pierre est limité. Parce que Pierre a tout peur. Par sa profonde. Il peut s'ingérer dans le combat spirituel. En réalité, c'est un combat spirituel. Pierre ne peut pas être dans son combat. Pierre ne peut pas être dans son combat. C'est pourquoi le Seigneur Christ, il dit à ses disciples, oui, vous allez rester longtemps avec moi. Vous allez rester plus de 3 ans avec moi. Mais vous sachez, vous êtes dans un combat spirituel. Vous êtes dans un combat spirituel. Quand je vais finir mon œuvre. Et que j'en ai parti, je vais envoyer celui-là. Je vais envoyer le consolateur. Je vais envoyer mon esprit. Je vais envoyer Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il descende. Vous êtes bon. Dis ce soir, c'est une grande soirée pour moi. Ce soir, c'est une grande soirée pour moi. Je vais connaître le consolateur. Je vais connaître le consolateur. Seigneur, je suis devant toi en ce moment. Comme Pierre et les autres. À la rencontre du consolateur. Amen. Et quand le consolateur est descendu, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Pierre que nous avons vu très tremblant. Son jour devant cette personne. Quand le consolateur est descendu. Les écritures sont en relaté la scène. Oh, vraiment, de façon majestueuse. Oh, vraiment, oh, ben, ils étaient tous ensemble. Oh, ben, tu m'as dans le joie et de la prière. Oh, tu m'as dit, là, et subitement. Oh, Dieu, que là. Un bruit a couru. Il souffle encore un pétiole. Oh, le Saint-Esprit descendu. C'est chacun d'eux. Et quand cela s'est passé, Pierre qui était complet après le pèlerin, nous pouvons voir Pierre se présenter devant une multitude de personnes. Maintenant, ce n'est plus une seule personne. Ce n'est plus deux personnes. Ce n'est plus trois personnes. Mais Pierre se voit devant plusieurs personnes. Jour le Saint-Esprit est descendu. C'était un grand jour, les Juifs se rassemblent. Qui sont dans différents pays. Ils se rassemblent pour la fête de Pentecôte. La fête de la moisson. Et comme il y avait beaucoup de personnes, mais Pierre n'était pas intimidé. L'Esprit de Dieu est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est fait que il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Nous voyons que le Saint-Esprit, quand il vient avec des dons. Le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières. Et nous avons vu que depuis l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu a toujours opéré. Mais l'Esprit de Dieu va opérer souvent avec les prophètes. Et nous voyons l'Esprit de Dieu se manifester de différentes manières. Nous avons vu l'Esprit de Dieu se manifester de différentes manières. Mais ce jour de Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu avec une manifestation particulière. Avec une manifestation particulière, l'Esprit de Dieu va descendre avec une langue. Et nous voyons les saints apôtres à dire, nous voyons que tous en train de commencer à prier pour nous. Quand le Saint-Esprit est descendu, il descend avec la langue. Et les disciples commencent
anciens-là ont plus de vin et ils sont remplis du vin doux. Voyez, tous les disciples étaient là. Mais il y a une personne qui a osé parler. Qui a osé s'affronter. C'est encore Pierre. Pierre qui était le premier. Pierre maintenant va répondre. Il va commencer par prêcher. Pierre va commencer par parler de Jésus. Pierre va commencer par leur prêcher. Pierre va commencer par leur prêcher. Pierre va commencer par leur prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Parce que le Saint-Esprit est descendu. C'est de cette même manière que ce soir. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu ne seras plus le même. Tu es rentré ici ce soir. Tu es rentré ici ce soir. Avec des limitations dans ta vie. Dans ta vie charnelle. Avec des limitations. Mais le Saint-Esprit va faire de toi. Quelqu'un qui est capable. De la même manière, Pierre, c'est un montré puissant. De la même manière, Pierre, c'est un montré puissant. C'est de cette même manière que toi, que le Saint-Esprit, le Seigneur l'a dit, mais à toi, il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Par la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, le Saint-Esprit souverain sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit va descendre pour toi, ce n'est point pour aller faire. Ce n'est pas pour aller satisfaire ta vie. Ce n'est pas pour aller satisfaire tes passions. Mais c'est pour être témoin de Christ. Quand le Saint-Esprit va descendre sur toi. Quand le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le Saint-Esprit va te conduire. Allez parler de Jésus. Ici, à Kadetia. Tu vas circuler un peu partout. Et tu vas dire Jésus qui te revient. Tu vas dire Jésus revient. Tu vas dire Jésus revient. Répandez-vous. Ici, à Kadetia. Jésus qui se revient, toi qui ne pouvais même pas parler, tu ne pouvais même pas parler de Jésus avec toi. Quand on te dit, va voir des personnes, on va lui parler de Jésus, tu commences à trembler. Je vais commencer par où? Et je vais terminer par où? Je vais commencer par où? Et je vais terminer par où? Benjamin, quand la puissance va descendre sur toi, la mort va venir. Tu vas parler librement de Jésus. Tu vas parler librement de Jésus. Alors, à quiconque se présente devant toi. Parce que la réalité, le Saint-Esprit va faire de toi témoin de Christ. Va faire de toi témoin de Christ. Quand on dit témoin, qu'est-ce qu'on appelle témoin? Alléluia, qu'est-ce qu'on appelle témoin? Qu'est-ce qu'on appelle témoin? Qu'est-ce qu'on appelle témoin? Qui va me dire rapidement témoin? Témoin. Qu'est-ce qu'on appelle témoin? Oui. Oui, lève la main, tu parles rapidement. Témoin. Qu'est-ce qu'on appelle témoin? Parle, pas, il a été témoin de la situation. Il y a telle chose qui s'est passée et il est témoin. Témoin de telle chose. Qui va nous expliquer rapidement? Témoin. 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 Oui. Vous ne savez pas ce qu'on appelle témoin? Attends, encore. Témoin. Oui, on va pas témoigner mon frère. Après. Hein? Une affaire qui est réelle, qui s'est passée devant lui. Voilà. Un témoin, il va relater un fait témoigner qui s'est passé devant lui. Amen. Comme il y a un blanc, il y a Mikel Agnafeli. Et nous parlons de tri que le Saint-Esprit quand il descend. Le papa ici, mon homme là. Il va faire de toi témoin de Christ. Ben, tu vas témoigner de Jésus. Amen, témoigner de Jésus. Tu vas témoigner de l'homme que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ben, témoigner de Jésus-Christ a mis Gilika. Alléluia. Tu vas pouvoir témoigner de l'homme que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et bien, témoigner de Jésus a mis. Mais voici que le témoin doit être présent des faits. Maintenant voilà, il y a témoin qui a mis l'homme que Jésus-Christ a fait sur la croix. Jésus a mis Gilika. Est-ce que tu es témoin des faits? Est-ce à quel témoin? Est-ce que tu as témoin de fait? Est-ce qu'il a témoin? Est-ce que tu as témoin de fait? Répondez. Il a témoin. Obéis de ne pas. Est-ce que tu as témoin de fait? Il a témoin. Répondez. Il a compris. Est-ce que tu étais là quand ça est passé? Est-ce que tu as témoin?
Est-ce que tu étais là? Il a eu là. Est-ce que tu étais témoin? Il te meurt là, il te meurt meilleur. Mais comment se fait-il que le Saint-Esprit va faire de moi témoin? Mais mon cochon, ni même c'est qu'il t'a dit témoin. Qu'est-ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va descendre sur moi? Même ni ne meurt ni dit que j'aurai l'assurance de l'homme que Jésus-Christ a fait. Et son mêlant, les hommes qui sont dans la vie, le témoin, tout comme si j'étais là le jour là. Mais à quel point mon père témoin le ministre? Qu'est-ce qui va se passer? Mon autre main témoin. Voici la révélation derrière cela. Parce que le jour où ça s'est passé, parce que le ministre, celui qui était le témoin principal, était le témoin principal de l'homme que Jésus-Christ a fait sur la croix. A témoin, il est Jésus parmi qui était le témoin principal. Non, quelqu'un d'autre. Qui était le témoin principal? Le témoin principal. Témoin, il est. Alléluia. Attends, Alléluia. Attends, qui était le témoin principal? Bien non. Qui était le témoin principal? Bien, tu m'as témoin. Yeah. Jésus, tu m'as dit que tu as 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 Soit cette informe, lui qui m'a tiré. Mais il peut encore parler de ce qui t'a passé spirituellement que les hommes ne pouvaient pas voir ce jour-là. Soit Aben a foyer ton contour, mi tout est maintenant. Et c'est ce témoin principal. Et le témoin témoin. Qui était ce témoin principal? Et le témoin témoin. Le Saint-Esprit. Parce que. Allez, bon, Nino. Qui était le témoin principal? Bien non. Vous avez entendu maintenant le POPH, puis. Elle m'aide. J'ai bien dit, le témoin principal, Jean-Pierre, témoin. Ce témoin principal, m'est écrit dans les moindres détails. Et encore, on va se conformer. Tout ce qui s'est passé physiquement. Tout ce qui s'est passé physiquement. Et non seulement cela, il pourrait aussi parler et décrire dans le moindre détail ce qui s'est passé spirituellement ce jour-là. Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur Jésus. Qui voit? Qui voit maintenant? Une maman, je veux une maman. Même maman, t'es un frère. Une maman. Je parle d'un témoin, un témoin bien physique. Témoin. Oui. C'était qui le témoin principal? Le jour où Jésus était sur la croix. Oui, Jésus, tu m'as dit que tu m'as témoigné. Témoin principal. Oui. Elle est quoi, maman? Elle a dit. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Témoin principal. Bon, là, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, acclamez le Jésus. Attends. Acclamez Jésus. Attends, vous avez. C'est Jésus lui-même. Jésus. Le jour où ça s'est passé. S'il y a quelqu'un qui peut t'écrire en détail. Même Jean. S'il y a quelqu'un qui peut décrire en détail. Ni mordant mais qu'à ce qui s'est passé. Comme il non seulement physiquement. Mais aussi spirituellement. Que l'homme qu'il était en train d'accomplir sur la croix. Il n'y a que Jésus. Mais que le temps le Saint-Esprit descend. Mais après comment dit mais je fais de toi témoin de Christ. Quand je t'ai été Jésus, tu vas pouvoir parler de l'homme de Jésus qui sur la croix. Non mais c'est que Jésus t'a pas parlé de l'homme tout comme si tu étais là ce jour-là. Non mais c'est que Jésus t'a pas parlé de ça avec assurance. Quand faut tiens. Même si on te dit toi là. Mais non, quand faut il est dit. Si tu n'avais pas le dire, nous avons Dieu. Ni ma forme est là. Toi là. Il est dit. Tu as dit de mentir. Il si on te dit ça, tu vas dire non, c'est la vérité. Ouais, non, c'est la vérité. Tiens,
s'est passé. Alors que là, parce que le Saint-Esprit descend. Et il fait de toi le témoin de Christ. Parce que tu vas être. En réalité, le Saint-Esprit qui descend. Car le Saint-Esprit qui descend. Si toi, en réalité, il dit que le Saint-Esprit, c'est lui, Jésus. Il y a le ciel. Petit pas ce jour-là. Alors, en tout cas, c'est pour ça que Jésus descend dans ta vie. Dans mon Dieu, c'est lui qui est le témoin principal. Dans lequel il me délivre. Donc le Saint-Esprit que tu reçois, c'est Jésus qui était sur la croix ce jour-là. Jésus qui est là, il est là physiquement. C'est Jésus qui dit son esprit est venu. C'est vrai, il a dit Jean-Louis, notre consolateur. Alors que là, t'as possible. C'est lui, Jésus, un esprit qui descend. Alors Jésus qui était sur la croix ce jour-là. Alors tu me Alors tu me sers la guillotine. Qui était là dans la douleur? Alors tu me poses. Qui était là dans la douleur? Alors tu me sers la. Le sang coulait. Alors tu me sers la douleur. Car son manque de lui. Car son monde te met en guillotine. Qui était là dans la vie? Regardez les hommes. Car son moi. Qui était là dans souffrir? Alors tu me sers la. Qui a pris le péché de toute l'humanité? Alors tu me tapes du monde. Le péché pesait sur lui. Alors tu vas me dire la gloire. Tu vas descendre dans le séjour de la mort. Alors tu me dis là dans ses pieds. Et il a ressuscité le troisième jour. Il a reçu de toi un jour. Qu'à à Kouna, l'autre et il a passé 40 jours avec les disciples. C'est celui-là qui est le Saint-Esprit qui descend. C'est pour ça que le Saint-Esprit descend sur toi. Bah, il m'a fait la et à l'infirance de la vérité. Mais que tu as mis à l'infirance de l'homme que tu as fait. Mais que tu as mis et à l'infirance de l'homme que tu as fait. Et maintenant. C'est Jésus lui-même.
C'est pourquoi quand il était sans toi, alors que ce n'est pas tu pourras témoigner de Jésus. Parce que Jésus est là, qui est en train de parler de lui-même. Parce que Jésus le maître, est-ce que quelqu'un comprend? C'est Jésus qui est là, Jésus le maître, qui est en train de parler de lui-même. Parce que Abba, il est en train de parler de lui-même. C'est le témoin principal qui est là. Tu pourras parler de Jésus avec assurance. Tu pourras te déployer comme Jésus pourra se déployer. Donc le Saint-Esprit c'est Jésus. Donc Jésus est un Israélien. Nous voyons certaines personnes parler du Saint-Esprit. En parlant comme mon peut me terminer. Pourquoi si le Saint-Esprit est le petit garçon? Le Saint-Esprit est un garçon de cousin. Saint-Esprit, va me faire ceci. Saint-Esprit, va me faire ceci. Le Saint-Esprit c'est la première personne. Comment est-ce que le Tout-Puissant Saint-Esprit? Qui est Jésus lui-même? Le Saint-Esprit c'est Jésus. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Jésus-Christ est le Père lui-même. Et après le Saint-Esprit à part. Après de notre Jésus à part. Après notre Dieu à part. C'est pour ça que vous devez respecter le Saint-Esprit. Le c'est Dieu lui-même qui est là. Quand vous assemblez, vous êtes en assemblée. Sachez que le Saint-Esprit est là. Créez le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire en toutes choses. Tu as besoin que le Saint-Esprit te montre le chemin. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui descend. Et qui va conduire ses enfants. La parole de Dieu dit que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui conduit. Par le Saint-Esprit, son Fils de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te convaincre des choses que tu ne sais pas. On t'a enseigné la sanctification. Dango a besoin le dépouillement. Dango il a trois minutes. Il y a encore des choses. Quand le Saint-Esprit va descendre sur toi, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer par voir certains objets. Il va commencer par comprendre. C'est la première fois que tu les vois chez toi. Il va sentir en toi que ça là c'est pas bon. Parce que il va le faire. C'est lui qui te conduit déjà. C'est lui qui nous conduit, qui nous ouvre le chemin. Nous devons nous comprendre pour faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et nous devons craindre le Saint-Esprit. Nous devons chérir le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu lui-même chérit son esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, on ne force pas le Saint-Esprit, on respecte le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est là? Et le bébé. Acclame le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit va te conduire à toutes choses. Le Saint-Esprit va te remplir de sagesse. Tu vas parler, les gens seront étonnés. Parce que c'est Jésus qui parle au travers de ta bouche. Parce que Jésus ne peut pas être pour le Christ. Désormais, vous allez voir votre vie changer. Le Saint-Esprit, comme le nom le dit, qu'il est l'Esprit qui est saint. C'est lui qui est l'Esprit de la sainteté. Le Saint-Esprit ne supporte pas les souillures. Le Saint-Esprit ne supporte pas les souillures. Nous devons craindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il a les mêmes attributs que Dieu tout puissant. Parce que c'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est omniprésent.
Amen. Le Saint-Esprit est omnipotent, il a toute la plus puissance, il est tout puissant. Alors, tu veux m'apprendre. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Yes, pour maintenant, tu vas vous appeler. Ton pouvoir m'a été donné. Ton pouvoir m'a été donné. Comme une belle la délivrement. Dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Et tout comme quand. Et Jésus-Christ a donné le pouvoir. Alors, Jésus a vraiment dit non. Dans le livre de Christ, c'est du sauveur. Le marché sur les serpents, les scorpions. Et vous pensez que ça me tient ça à l'île, et Jésus-Christ a donné le pouvoir. Avec Jésus, ton nom est vraiment. Tu utilises son nom. D'accord, avec cela, d'accord. Et ce nom qui est Jésus. D'accord, d'accord, il est Jésus. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, verset 9. Qui est mon nom, Philippiens 2, verset 9. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Yes. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit dans les cieux. Tout genou fléchit dans les cieux. Mon père va être bon au genou. Sur la terre et sous la terre. Ça me dit que quand Jésus disait dans Matthieu 28. Après, Jésus tout le monde qui est donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en toi. Qui t'accorde ce pouvoir. Quand tu as le Saint-Esprit, aucun esprit mauvais ne peut tenir devant toi. Ni tout fit de ses calories. L'esprit de sorcier ne peut tenir devant toi. Quand tu dis Jésus, il tremble. Jésus. Quand tu dis Jésus, il tremble. Jésus, si dans ton sommeil, dans tes songes, tu vois les animaux en train de pourchasser. Le Saint-Esprit en toi. Quand tu sais que c'est celui qui a tout pouvoir qui est en toi. Son nom c'est Jésus. Et quand tu sais, tu as la foi que quand tu as son nom. Tous les genoux peuvent fléchir. Quand tu as son nom, tous les genoux fléchissent. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen.
Est-ce que vous avez compris? Adamoa. 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 Est-ce que vous avez compris? Alors tu acclames le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, tu vas te lever, tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames le Saint-Esprit. Tu as Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Qui est béni pendant ce programme? Amen. Amen. Ce programme que nous avons commencé depuis le dimanche. Vous avez laissé toutes vos activités. J'ai vu des gens ici. S'asseoir là du matin jusqu'au soir. Et ils attendent. Seigneur, ma situation là. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. J'ai vu des gens ici. Je vois tout. Mais tel que je vois, le Seigneur aussi voit mieux que moi. Oui, je suis Alléluia. Amen. Chacun a reçu mon sa bête, part. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Comment vous allez voir les choses? Les choses que vous avez reçues là, on ne peut pas voir avec les yeux. Amen. Amen. On ne peut pas voir avec les yeux. Amen. Les bénédictions que vous avez reçues. Aujourd'hui, vous avez été baptisé. Le matin, je parlais avec quelques hommes de Dieu. Je disais, vous là, une fois qu'on vous baptise là, c'est fini. Hein? Vous allez chasser vous-même les démons. Alléluia. Alléluia. Vous-même, vous allez chasser les démons. Normalement, ce soir là, on va vous laisser la place. Et vous allez chasser les démons qui sont en nous. Alléluia. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Vous êtes capable de chasser les démons maintenant. Amen. Amen. Il n'y a pas une école pour y pour aller. Vous êtes capable de chasser les démons. Amen. Je suis capable de chasser les démons. C'est tous les démons, hein. C'est tous les démons. Le plus petit démon. Jusqu'à Satan lui-même. Satan est enfant comme ça. Bah, comme ça, Satan tombe. Il casse les reins. Amen. Alléluia. Si on casse les reins de Satan là. Un petit sorcier, on va faire quoi de lui? Hein? On va comment? On marche et il commence à crier. Alléluia! Amen. Ce sont des fourmis. Amen. On peut avoir peur de sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie qui doit avoir peur de vous. Amen. Et vous savez, avant que sorcellerie ait peur de toi, il doit avoir quelque chose en toi. Amen. C'est ce que l'homme de Dieu veut t'enseigner. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va voir toi. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, le diable, va voir toi et va fuir. Amen. C'est le Saint-Esprit, les démons vont voir et vont fuir. Amen. Si on te regarde, on voit attaquer seulement en toi. On va maïs en toi. On va cabrir en toi, non. Il va te gifler et tu vas demander pardon encore. C'est pas toi. Hein. Amen. Parce que toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Écoutez-moi bien, dans ce village-là, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. C'est une force. Amen. C'est une puissance. Amen. Les sorciers là, les marabouts là, quand il veut sortir, il manque des choses, non? Il veut des choses, non? Mais toi, tu as fait quoi? Tu dis, Saint-Esprit, je veux sortir. Saint-Esprit, je veux aller au champ. Saint-Esprit, je veux dormir. Saint-Esprit, je veux faire ceci. Saint-Esprit, je veux faire cela. Alléluia! C'est comme ça désormais. Amen. Alléluia! Amen. Tu dois marcher désormais avec le Saint-Esprit. Amen. Tout ce que tu veux faire là. Maman, si tu veux préparer, dis Saint-Esprit, je veux préparer un repas pour mon mari. Dis-moi ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Il va t'inspirer. Amen. Tu es là, tu ne sais pas prier. C'est ça, non? Dis Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Aide-moi à prier. Et tu vas voir, tu vas commencer à prier. Amen. Amen.
a compris maintenant. Amen. Est-ce que vous allez marcher désormais sans le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous allez marcher désormais sans le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous allez marcher désormais sans le Saint-Esprit? Amen. Donc le Saint-Esprit devient votre compagnon. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on veut faire, demandez toujours cet esprit. Il n'est pas fatigué. Demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Demande-lui. Tu veux aller chasser. Dis cet esprit. Je viens aller chasser. Montre-moi les animaux que je vais trouver. Amen. Il va te montrer. Amen. Vous me rappelez de Pierre, non? Ils ont jeté leur filet dans l'eau pendant toute la nuit. Même quand ils n'ont pas attrapé. Alléluia. Ils n'ont rien attrapé. Ils étaient découragés. Mais ils ont vu Jésus. Et Jésus a dit, vous ne connaissez pas le secret. Jetez votre filet ici. Et ils ont jeté le filet. Et ils ont ramassé les gros poissons. Amen. 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 C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Quand on chasse les démons, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Vous ne voulez pas chasser les démons? Marchez sur les démons. Amen. Voilà. Vous allez tous chasser les démons. Amen. Je vais revenir ici. Amen. Mais quand je vais revenir, je m'assois. Je vois comment tout le monde chasse les démons. Amen. Amen. Vous devez tous chasser les démons. Amen. Si la nuit, tu le fais qu'il a pris autorité, tu dis au nom de Jésus. Amen. Le démon qui est là, sort. Il va sortir. Amen. C'est pas, nous, on n'a pas reçu une licence. Un diplôme pour chasser les démons. On n'a pas reçu ce diplôme. Amen. Amen. Vous tous. Tous ceux qui ont cru en Jésus. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Vont chasser les démons. Amen. Amen. Tout, voilà le secret, maman. Maman, il n'y a rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à chasser les démons. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à prier pour les gens. Pour recevoir la guérison. Amen. Est-ce que quelqu'un va encore marcher si sans le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un va encore marcher si sans le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un va encore marcher si sans le Saint-Esprit? Alléluia. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Notre mission là est terminée. Amen. On a fini. Amen. Amen. Les gens qui vous disent, oh, Dieu, hein, pourquoi vous voulez finir la mission? On a fini. On vous a donné Jésus et le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous allez sortir vous-même. Alléluia. Vous allez chercher des démons. Démons, tu es où? Amen. Amen. Cherchez tous les démons de quel état ici. Amen. Tapez les chasseurs. J'ai dit que les chasseurs. Démons, tu es où? Où est-ce qu'il voit des démons? Au nom de Jésus, sors! Amen, amen. S'il vous plaît, c'est tout le monde. Amen. Même les enfants aussi chassent les démons. Les enfants chassent les démons aussi. Alléluia, n'ayez plus peur. Attends, n'ayez plus peur. Attends, la nuit là, si quelque chose arrive là, faut-il, allez me chercher Timothée. Non, c'est fini. Lève-toi, tu dis au nom de Jésus, sors! C'est fini. Amen. Il ne faut plus avoir peur, c'est fini. Oh, le diable vous a trompé. Il vous a trompé. Maintenant, on le connaît. Il n'a rien. Amen. C'est un petit, c'est un bébé. Alléluia. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber. Comme une clé est tombée, elle fait bah comme ça. C'est Jésus qui a dit ça. Satan est tombé depuis. Satan est tombé avant que tu ne sois né. Donc toi, tu combats Satan, un morceau de Satan. Alléluia. Tout ceci, c'est par le Saint-Esprit. Tout ceci, c'est pas 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit demain, le Saint-Esprit toujours. Amen. Alléluia. Désormais, c'est le Saint-Esprit. Amen. Désormais, c'est le Saint-Esprit. Amen. On va plus aller chez les communions, c'est fini. Amen.
Alléluia. On va plus jeter nos armes, notre argent pour les médecins. C'est fini. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Vous avez reçu quelque chose que vous ne savez pas la valeur. Les démons savent ce que vous avez reçu. Je vous dis la vérité. Mais arrêtez de vous apitoyer. Arrêtez de vous rendre malheureux. Maman, arrêtez de vous rendre malheureuse. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. N'ayez plus peur. D'accord. Amen. Faut plus avoir peur, d'accord. Amen. Faut plus avoir peur, d'accord. Amen. Faut plus avoir peur, d'accord. Amen. 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 Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Plus que tout. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon cœur. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà ta prière des gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut chanter. Amen. Apprenez à chanter, apprenez à louer le Seigneur. Amen. 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 Lorsque vous avez des problèmes, louez le Seigneur, ne pleurez pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Amen. Même si on vous a dit que quelqu'un est mort, même si on dit votre enfant est mort, ne pleurez jamais. Louez le Seigneur. Et dis Seigneur, mon enfant, si ce n'est pas ta volonté, qui se lève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui se lève? Amen. Qui va se lever? Amen. 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 Tout ça, c'est le Saint-Esprit. S'il vous plaît, marchez toujours avec Jésus. Amen. C'est le secret. Amen. C'est le secret. Vous n'avez pas besoin de courir derrière un homme de Dieu. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Amen. Nous sommes les mêmes maintenant. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes comme nous. Amen. Amen. Donc vous pouvez chasser des démons. Amen. Vous pouvez guérir malades. Amen. C'est Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit là, a des intérêts. Est-ce que vous savez ça? Quand tu vas chez le marabout là, et il te remet le savon là, il te dit que ah, faut pas faire ça non, faut pas faire ceci, faut pas faire ça non, que le petit ça n'aime pas ça, le petit n'aime pas ça, n'aime pas ça, n'aime pas ça. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas une seule chose. Alléluia. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit n'aime pas. Qui connaît la chose? C'est une seule chose. Je veux une femme. Je veux une femme, elle aura une bénédiction ce soir. Je veux une femme qui va me dire ce que le Saint-Esprit n'aime pas du tout. C'est une seule chose, il n'y a pas, c'est pas deux. Je veux une femme. La femme, je ne vous vois pas. Il y a une femme. Et il y a cette femme-là. Qui encore? La femme d'ici là. Elle a le sapin ici. Hein. Ah, ça là, c'est le rassemblement des femmes qui dorment. Voilà, on nous salue. Ça, hein? On nous salue. Hein? On nous salue. Oui, venez. Acclamez Jésus pour ça. Acclamez Jésus pour sa vie. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Amen. Amen. Le péché là, gâte. Ça gâte la puissance du Saint-Esprit. Ça gâte ça. Ça gâte la puissance. Ça détruit la puissance, le péché. C'est le péché qui gâte tout. C'est le péché qui gâte tout. Ça gâche tout. Ça détruit tout. Donc pour que le Saint-Esprit soit puissant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas pas? Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas pécher. C'est tout. Tu sais ce que tu vas faire, non? Si quelqu'un t'énerve maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un t'insulte, tu vas faire comment? Comment? Quelqu'un t'insulte, tu vas faire comment? On va laisser ça. Hein? Tu vas prier. Tu vas le temps même de la personne. Tu vas pas chiffrer la personne. Hein? Si quelqu'un t'insulte là, hey, regarde ma salle là, regarde ma tête vieille là. Ni mon doc à une. Toi tu as fait quoi? Vous êtes connu traité. Tu as rien dit. Tu as laissé.
Et si tu veux carré, si tu veux carré là, tu vas prendre carré là. Amen. Amen. C'est ça. Attends. Amen. Vous savez, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire ça. Les gens vont vous détester. Les gens que vous aimez là, vont commencer par vous détester. C'est le signe qui montre que vous avez le Saint-Esprit. Même votre papa va vous détester. Même votre maman va vous détester. Même votre mari va vous détester. Même vos enfants vont vous détester. Alléluia. Parce que vous avez quelque chose en vous. En réalité, ce n'est pas vous qui déteste. C'est ce qui est en vous qui déteste. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas ça. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comment? Vous l'avez fait comment? Hein? Voilà, lorsque les gens vont commencer par vous insulter, vous ne dites rien, vous ne répondez plus. Amen. Vous les bénissez. Tu dis que le Seigneur te bénisse. Parce que ce n'est pas la personne à qui t'insulte, c'est le démon qui t'insulte. Alléluia. C'est le démon. Est-ce que vous avez compris ça? C'est le démon. Qui vous insulte? Les personnes qui vous insultent dans la rue là. C'est pas les personnes là, c'est les démons qui font ça. Je vous dis là, c'est les démons qui font ça. Mais là, toi, tu vas juger la personne. Toi, tu vas pointer la personne. Est-ce que c'est la personne à qui tu fais du mal? Hein? C'est la personne à qui tu fais du mal, non? Là, tu pointes la personne, c'est pas la personne à qui tu fais du mal. Arrêtez, c'est le démon qui doit recevoir le coup. Mais tu as tapé quelqu'un. Tu as laissé le démon là tranquille. Et tu as tapé ton frère. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Le problème de Kaneta là, le Saint-Esprit m'a dit ceci. C'est le péché de l'impudicité. L'impudicité. On couche à gauche, on couche à droite. Je vous assure, si vous faites ça, cet esprit est parti. Cet esprit est parti. C'est fini. Cet esprit est parti. C'est fini. Cet esprit est parti. C'est fini. Toi qui couches à gauche, à droite. Toi qui commets l'adultère, tu vas quitter ici maintenant. Tu vas aller dans un coin, comme il n'y a pas de lumière là. Et tu as fait des désordres. Tu as dit qu'on ne me voit pas. Quand tu as fait ça, c'est fini. Je te dis, c'est fini. C'est fini. Quelque chose va te quitter. C'est le Saint-Esprit qui t'a quitté. Et quand il te quitte, Satan va finir avec toi. La prostitution. Alléluia. Amen. Si tu fais erreur encore, écoute-moi bien. Si tu veux te marier, va te marier. Alléluia. Amen. Si tu veux te marier, va te marier. Demande aux hommes de Dieu qui sont ici, qu'on va laisser ici. Ils vont t'aider. Faut pas aller commettre adultère, faut pas aller commettre prostitution, impudicité quelque part. Tu as une copine quelque part, des petites filles qui sont la nuit là. Tu vas les guetter. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. S'il vous plaît. N'éteignez pas la lumière. Alléluia. N'éteignez pas la lumière. Le Seigneur vous aime beaucoup. N'éteignez pas la lumière. S'il vous plaît, le Seigneur vous aime beaucoup. Alléluia. Derrière, est-ce qu'on me suivez? Vous m'entendez derrière? N'éteignez pas la lumière. Amen. Il ne faut pas éteindre la lumière du Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bon, nous sommes au village, hein. L'obscurité, pour nous, c'est la lumière. Où bien? Amen. Alors, je vais vous donner quelques conseils avant de finir. L'autre problème que vous avez là, quand vous venez à l'église, vous dormez. Je vous ai dit ça hier. Quand on vient dans là, c'est la sorcellerie qui fait ça. C'est la sorcellerie qui fait ça. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui doit là, à l'église, c'est que la personne, il a un esprit de sorcellerie.
a poussé un esprit de sorcellerie. Je veux que je vous dise, c'est la vérité. C'est pourquoi quand vous voulez venir, vous ne pouvez pas sentir la fatigue. Quand on va quitter ce lieu, tes yeux seront ouverts. Quand on finit le culte, mais tes yeux seront ouverts. Toi qui dormais avant, le sommeil, il disparaît comme ça. Et quand on dit, on va prier maintenant. On va enseigner maintenant, c'est maintenant toi qui vas dormir. La tête va à gauche, elle va à droite. Elle va à gauche. Eh ben, toi, parfois, ça va d'aller. Écoute, on a de te chicoter là-bas. La journée te chicote là-bas. On ne dort pas si. Alléluia. Si tu viens à l'église, alléluia. Et tu sens le sommeil, les sorciers ne veulent pas que tu écoutes ta parole. Lorsque tu prêchais le Saint-Esprit, les gens dormaient. Les gens dormaient profondément, même. C'est que là, c'est comme il dit, tu le lis. C'est pas bon. Alléluia. S'il vous plaît, c'est pas bon. On ne dort pas à l'église. Vous avez tout le temps pour dormir, non? C'est ici que vous voulez dormir. Est-ce que tu peux dormir sur la chaise et être à l'aise? Tu peux dormir sur un banc et être à l'aise? Mais c'est ce que vous faites. Vous avez le temps d'aller à la maison pour aller dormir? Amen. Non, Jésus. Je sens de préparer l'église. Autre chose. Que vous devez faire attention lorsque vous êtes en assemblée. Ne donnez jamais la place aux ténèbres. Ne donnez jamais la place aux sorciers. Ne donnez jamais la place aux démons. Il faut toujours ordonner. Vous comprenez? Quand il y a le désordre dans la tête, qu'est la sorcellerie? Même dans votre maison. Si votre maison est désordonnée, c'est qu'est la sorcellerie? Quand je rentre dans la maison, quand je vois le désordre, là, il y a la sorcellerie. En même temps, je sais la sorcellerie dans la maison. Amen. Donc, dans l'église, là, il faut être ordonné. L'homme départ, d'autres sont debout, d'autres sont de marché. C'est la sorcellerie qui fait ça. Le président Alassane Ouattara va venir ici. Hein, maman. Le président Alassane Ouattara va venir ici. Toi, tu vas te lever. Il a dit, hey, t'es là. Hey, t'es là. Et toi, t'es là. Tu vois Alassane Ouattara. Tu vas faire ça? Tu veux faire ça? Tu veux faire ça? Tu veux faire ça? Tu peux pas faire ça. Là. Tu devrais Dieu à tout le monde. Les gens se lèvent, ils parlent, ils se lèvent, ils disent n'importe quoi. Pareil, ils se promènent dans l'église. Même les enfants, ils pleurent à gauche, à droite. Ils pleurent à gauche, ils pleurent à droite. C'est pas bon. Si vous voulez, évitez ça. J'ai tellement parlé de vous, quand je vous interdis quelque chose, là, c'est là où vous vous fâchez pour faire encore la chose. Allez. Les mamans, vous qui avez des enfants là, vous qui allaitez vos enfants là, je vois des mamans qui sortent les seins comme ça et en train d'allaiter les enfants dans l'église. C'est pas bon, c'est une malédiction. Je vous ai dit ça hier. C'est la nudité. C'est la nudité. Les mamans qui, elles sont tellement négligentes, elles mettent les seins comme ça. Elles mettent les bébés, le poids de seins dans l'église. S'il vous plaît, ne faites plus ça. C'est bon. C'est une église de ses dessins. Avant, vous faisiez dans les églises de Ouya Ouya là. Là vous faites ce que vous voulez là-bas. Mais ici, dans la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Amen. Ce que je vous dis, c'est pour que vous gardiez toujours le Saint-Esprit. Si tu veux allaiter ton enfant là, il faut aller derrière. Amen. Il y a toujours quelque part, tu peux allaiter ton enfant sans que personne ne soit dérangé. Amen. Mais souvent, vous sortez votre sein comme ça et le bébé commence à sucer. Et tout le monde regarde votre sein, c'est pas bon. C'est pas bon. Toi aussi qui regarde, tu es maudit. C'est ce que je veux dire. On ne regarde pas ça. C'est une malédiction. Donc cachez vos seins. Amen. Cachez vos seins. C'est pas vraiment dehors, on dit ça. Même dedans, on dit ça aussi. Amen. Bon, on ne perd pas ça. Alléluia. Amen. Maintenant, l'autre chose aussi,
comme je sais que c'est le village, deux par deux, on va prier encore. Le Seigneur va envoyer des gens qui vont nous bénir des vêtements. Amen. Ils vont nous envoyer des robes, des pannes, tout ça là. Amen. Et vous allez bien vous habiller. Amen. Mais le seul vêtement que tu as là, il faut bien t'habiller avec. Les centaines, s'il vous plaît. Je vous ai dit ça, les centaines, on ne porte pas. Quand vous faites comme ça, on voit vos aisselles. Quand on fait ça, on voit votre poitrine, on voit votre sein. Tout ça là, c'est la malédiction. Amen. Quand on dit malédiction, ça veut dire que Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas bénir les bons. Donc il faut cacher vos poitrines, d'accord. Les mamans, surtout les jeunes soeurs là. Amen. Amen. Et souvent aussi, la maman, ce que vous faites, c'est pas bon. Le Seigneur vous accuse, c'est que vous vous habillez correctement. Et vos enfants, filles, là, vous les négligez. Et pour des centaines de trucs, puis des milliers de trucs, et viennent à l'église comme ça. C'est pas bon. Amen. Il faut les voiler. Amen. Tel que vous êtes là, il faut que vos enfants soient aussi comme ça. Ne dis pas que c'est les enfants, non, non, on ne fait pas ça. Il faut les éduquer. Amen. 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 Ce que j'ai aimé chez vous, c'est que j'ai aimé. Je vois que quand on donne rendez-vous, quel que soit, tout le monde fait l'effort d'être là. Amen. Mais on fait l'effort de venir en retard. C'est ça, c'est ce que je veux corriger. Amen. Vous venez, mais vous venez toujours en retard. Amen. Alléluia, c'est pas bon. Amen. Vous serez bénis. Amen. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Et vous allez témoigner. Amen. Mais soyez toujours disciplinés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand on va quitter ici là, je pense que la semaine prochaine, vous allez prendre 7 jours de jeûne. Amen. Vous allez prendre 7 jours de jeûne, toute l'église, tout le monde dans l'église. Pour chercher le revêtement. Amen. Vous allez demander toute l'église doit être revêtue. Amen. Et après les 7 jours-là, vous allez faire une campagne d'évangélisation, de croisade. Ce qu'on a fait ici là, vous-même, vous allez vous débrouiller pour faire ça ailleurs. Vous avez compris? Et vous allez aussi baptiser les gens. Amen. Voilà Jésus. Amen. Vos familles, il faut les amener, tout le monde. Amen. Alléluia. Et le plus grand, le plus grand devoir que le Saint-Esprit vous donne, c'est d'aimer, de vous aimer les uns les autres. Vous avez compris ça là? Vous devez apprendre à vous aimer les uns des autres. Amen. Tu dois apprendre à aimer ton frère comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous aimer les uns les autres. Même dans vos parlers, là, dans vos échanges, on doit voir l'amour. Amen. Amen. Si vous faites ça là, nous la suivons. Quand sorcier va venir ici, il va dire, oh, qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Je suis sorcier. Je suis sorcier. Je suis, je ne veux pas mourir. Qui dit ça? C'est moi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Parce que quand il y avait. Amen. Amen. Là où il y a l'amour là, sorcier ne tourne pas. Même dans votre famille aussi, il faut qu'il y ait aussi de l'amour aussi là-bas. D'accord? Amen. 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 Nous, on va prendre le départ demain. Amen. Nous allons partir demain. On va encore repartir à Abidjan. Amen. La semaine, toujours dans la semaine, on va encore donner culte pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Ça va se passer à Abidjan, le dimanche prochain. Amen. Et après ça, la semaine prochaine, nous allons prendre le départ pour le Bénin. Amen. Nous allons partir pour le Bénin. Parce qu'il y a encore d'autres pays aussi qui nous attendent. Amen. Mais nous allons tout faire pour envoyer au moins quelques heures encore en Côte d'Ivoire. Amen. C'était parmi nous, va encore revenir encore en Côte d'Ivoire. Ça fait dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça dépend. Amen. Pour maintenant vous conduire. Pour vous conduire. Dans la télé. Dans la vie, non? C'est ça.
Salut. Quand on dort là, c'est ce que ça fait. Parlons de Dieu, il faut plein de Dieu. Amen. Donc voilà, nous allons passer à une autre étape. Amen. Nous allons prendre le repas. Je veux de silence. Quand on parle, tout le monde se tait. On écoute. Amen. Amen. Les enfants, il faut tout faire pour les aider à être calmes. Amen. D'accord. Il ne faut pas les taper, on ne les tape pas. Hein? Maman, là, qui tape enfant, allez, on tape pas. On ne tape pas l'enfant ici. Amen. Non, on ne fait pas ça. D'accord. Il y a là où on tape enfant, il y a là où on ne tape pas. C'est bon? Ça peut aller? Amen. Hein? Amen. Hein? Ça peut aller, non? Amen. On acclame Jésus. Maintenant, nous allons passer à une autre étape de cette rencontre. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen, le repas du Seigneur. Ce que vous appelez souvent la communion. Amen, la communion. Amen. Je vous dis quelques vertus, quelques bienfaits de ce repas. Amen. Alléluia. Quand nous parlons du repas du Seigneur, quand nous parlons de la table du Seigneur, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans l'homme, dans le monde, dans les églises théologiques. Amen. Où il dit qu'il leur donne des noms bizarres. Je ne vais pas donner le nom là. Amen. En réalité, le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est le corps de Jésus et le sang de Jésus. Amen. Le corps et le sang de Jésus. Quand on dit le corps et le sang de Jésus, c'est pas la chair humaine. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Le corps de Jésus, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est quoi? Amen. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus devait mourir, qu'est-ce qui est mort à la croix? Qu'est-ce qui est mort à la croix? Qu'est-ce qui a souffert? Le corps de Jésus. En réalité, la souffrance de Jésus, les douleurs que Jésus a ressenties, c'est dans son corps. Et cette douleur, en réalité, c'était de nos problèmes. C'était de nos fardeaux. C'était de nos maladies. Amen. C'était la mort qui devait nous frapper. Il portait tout ça en lui. Amen. Amen. Donc, en mangeant le corps de Jésus, cela signifie seulement que tu te rappelles de cet acte que Jésus a fait pour toi. C'est un souvenir où dit Seigneur, tu es mort pour moi. Je reconnais. Amen. Et quand tu manges, tu vois tout ce que Jésus a souffert. Alléluia. Amen. C'est ce que vous avez dit. Alléluia. Amen. Maintenant, le sang de Jésus. À ta bassine. Le sang là. À ta bassine. C'est la vie. Amen. 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 Le sang. Bassine. C'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Le sang. Bassine. C'est la vie. Amen. Partout on voit le sang, il y a la vie. Quand tu vois le sang quelque part, c'est qu'il y a la vie. Quand le sang coule, c'est que la vie a été coulée. Donc, le sang de Jésus, c'est quoi? La vie de Jésus. Amen. Et lorsqu'on voit le sang, ça montre que ça montre qu'il y a la mort. Parce qu'avant que le sang ne soit, il faut qu'il y ait mort. Alléluia. Donc le sang de Jésus montre que Jésus est mort pour nous. C'est ça le signe de la mort. La preuve que Jésus est mort, c'est le sang.
Maintenant, si tu bois ce sang, ça montre que Jésus est mort à ta place. C'est pourquoi tu ne peux plus mourir. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi il a dit ceci. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et au dernier jour, je le ressusciterai. Donc le sang de Jésus va vous donner la vie. Alléluia. Ceux qui sont morts, ceux qui sont malades, ceux qui ont des choses ne comprennent pas. Et ils ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et viendront à cette table. Amen. Recevons la vie. Amen. Amen. Et lorsqu'on mange le corps et on boit le sang de Jésus, on devient un avec Jésus. C'est pourquoi les sorciers là, quand ils vous donnent à manger, ils donnent la chair, le sang là, c'est que vous devenez un avec eux. C'est ça en réalité. Alors vous comprenez maintenant? Mais ici, il s'agit de Jésus. Il s'agit de notre Dieu. Donc désormais, votre vie sera en Jésus. Alléluia. Et Jésus sera en vous. Donc quelqu'un te voit, il voit Jésus. Alléluia. Quelqu'un te voit, il voit Jésus. On voit physiquement quelqu'un, mais en esprit, on voit une autre personne. On voit Jésus. Donc la personne qui est là ne peut plus tuer cette personne. Et c'est cette personne-là que les sorciers n'aiment pas tuer. C'est pas la personne à laquelle les sorciers ont peur, non. La personne qui est dedans et qu'on ne voit pas là, qui est Jésus là, c'est qui fait peur aux sorciers. Donc, tu dois boire le sang de Jésus et manger sa chair. Amen. Maintenant, d'abord là, qui peut manger le corps et la et boire le sang de Jésus? C'est pas tout le monde. Amen. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va venir ici. C'est pas tout le monde qui va manger la chair et qui va boire le sang de Jésus. C'est seulement ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui ont reconnu que Jésus est leur sauveur unique. Ceux qui ont dit maintenant, Jésus, ce n'est que toi que j'ai dans ma vie. Ceux qui ont dit Jésus, je ne veux plus tuer les bracelets de protection. Les cordes, les amulettes, les chaînes, les boucles d'oreilles, les mèches. Hein? Amen. Ceux qui ont tout à abandonné. Eux qui vont s'approcher d'ici. Amen. Si tu as encore les mèches, si tu as encore bas, si tu as mis les balles cachées, tu sais que personne ne voit là. Je te dis ce qui va arriver ici. Amen. Ceux qui ont encore ces choses ne peuvent pas venir ici. Parce que c'est la table du Seigneur. C'est un grand roi. C'est le plus grand roi. Ici, là. Si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux, je vous demande de prier. Demandez au Seigneur. Donne-moi la vision. Tu vas vous donner ça. Montre-moi, Seigneur, les choses cachées. Tu vas vous montrer la vie cachée des gens. Alléluia. Amen. Donc c'est ceux-là qui ont accepté Jésus. Amen. Ce n'est pas fini. Accepter Jésus ne suffit pas de venir ici. Il faut être baptisé. Alléluia. Le baptême montre votre engagement à mourir avec Jésus. Donc en temps normal, tous ceux qui ont été baptisés aujourd'hui, c'est seulement ceux-là qui peuvent s'approcher. Parce qu'ils ont été baptisés. Mais si tu n'as pas été baptisé, tu ne peux pas t'approcher. J'avais dit hier que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont... Ils hésitent. C'est bon d'hésiter. Amen. C'est bon de chercher à comprendre. Mais demandez aussi. Qu'on vous explique. Ne gardez pas ça en vous. Sinon, vous allez être privé d'une grande grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc c'est ceux qui ont été baptisés aujourd'hui. Hein? Amen. Tous ceux qui ont été baptisés aujourd'hui, là, leur compteur de péché est mis à zéro. C'est que le ciel est garanti pour eux. Il n'y a rien à faire. C'est que leur vie, c'est comme c'est maintenant qu'ils viennent d'être nés. Ils sont purs, ils sont sans péché, sans souillure. Tous ceux qui étaient baptisés aujourd'hui, quel que soit le péché que tu avais commis avant, tout a été balayé, a été effacé, a été oublié. Amen. Amen. Tu es devenu comme un bébé qui est dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ceux-là qui peuvent s'approcher. Maintenant, si on t'a baptisé, on t'a baptisé tout à l'heure. Là. Tu as monté la mesure et tu as bagarré avec quelqu'un. Amen. Tu as crié sur quelqu'un. Tu es parti regarder pour nous. Non, tu es parti tricher avec quelqu'un. Tu ne peux plus t'approcher. Alléluia. Amen. Je ne peux pas venir. Amen. Amen. Si dans ton cœur, pendant qu'on te baptisait, tu faisais semblant de te baptiser. Tu savais très bien que tu ne vas pas te changer. Tu vas raconter tes choses. Tu ne peux pas venir ici. Alléluia. Amen. Autre personne qui ne peut pas venir ici. Toute personne qui est dans la sorcellerie. Toute personne qui sort la nuit. Et lui, là, quand tout le monde dort, là, il prend le chiffre, il prend le balai et fait comme ça, il disparaît. Alléluia! Amen! Pas venir ici. C'est pas ce qu'on mange là-bas. On va mis 2 après la lettre. Sorcier ne peut pas s'approcher. Tu es féticheur, tu es là. Tu vas venir. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque les gens s'entêtent à venir ici, nous là, on va empêcher personne. Vas-y, tout le monde va venir manger. Mais si dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas digne, tu manges, tu vas manger d'abord. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Pendant que les gens reçoivent la vie ici, les gens viennent pour recevoir la santé, la vie, la joie, la paix, la grâce, la bénédiction. Toi, tu vas venir, tu vas recevoir. Toi, le méchant, tu vas venir, tu vas recevoir la mort, la maladie, la souffrance. Tu vas manger ça et tu vas problème de mari de nuit encore. Est-ce qu'on me comprend là? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est la table du Seigneur. Toi, tu vois pain. Toi, tu vois jus de raisin. Oh, on vient manger. Amen. Amen. Ceci, ce n'est pas pour manger pour être rassasié. On ne vient pas pour manger pour être rassasié ici. Alléluia. Vous avez mangé du riz, non? Tout le monde a mangé du riz, non? Voilà, tout le monde a mangé du riz. Amen. On ne vient pas ici pour manger et être rassasié. Amen. Attends. C'est juste un acte qu'on pose. Et tu viens avec un esprit d'humilité. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur. Je veux venir manger à ta table, Seigneur. Regarde comment je suis. Tu fais un pas, tu te regardes. Seigneur, oh, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, oh, Seigneur, je veux manger à ta table. Amen. Amen. La Bible dit, si tu manges à la table de grand, mets un couteau à ta gauche. Alléluia. Faut faire attention à ce qui est sur la table. Ce que tu avais dit. Si tu n'es pas digne. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous allez finir de prendre ce repas-là, chacun va se mettre à genoux. Alléluia. Dans une profonde humilité et prier vraiment. Et dis, Seigneur, renouvelle ma vie. Seigneur, je veux prendre un nouveau départ avec toi aujourd'hui. Ma vie maintenant démarre avec toi aujourd'hui. Seigneur, je veux te servir.
Seigneur, remplis-moi. Seigneur, réveille-moi. Ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie d'évangélisation, mon amour pour ton œuvre, enflamme-moi encore. Réveille-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour vous maintenant. Alléluia. C'est clair. Amen. C'est clair maintenant. Amen. Moi, je te lis debout. Et bien là, oui. Amen. Amen. Alors que tu vas te tenir debout, je veux vraiment que vous savez pourquoi on ferme les yeux, non? C'est pour être concentré. Amen. C'est pour être concentré. Vous fermez les yeux. Amen. Vous fermez les yeux. Vous pouvez vous fermer les yeux. Amen. Pendant que vous fermez les yeux, vous allez dire Seigneur, dans votre cœur, dans votre esprit, je vais m'approcher de ta table. Amen. Je vais m'approcher de ta table. Mais je veux manger la vie. Je veux manger la joie. Je veux manger la santé. Je ne veux pas manger la mort et la malédiction. S'il y a quelque chose encore dans ma vie, quand je vais m'approcher, cela va me condamner. Seigneur, pitié pour moi. Amen. Tu vas commencer par prier. Je vais inviter les hommes de Dieu. Je vais venir bénir Seigneur, pardonne-moi. S'il y a encore un petit péché en moi, peut-être c'est une colère, peut-être c'est un manque de pardon, peut-être, Seigneur Jésus, un refus de pays. Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur, je vais te demander de ton amour. Je vais te demander de ton amour. Que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que le sang de Jésus me lave, et me
me retire de m'approcher de la table. Je me retire de m'approcher de la table. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons venir dans un ordre. Alléluia. Amen. Nous allons faire deux rangs ici. Deux rangs. Amen. Deux rangs. Vous savez, ceux qui doivent s'approcher, c'est clair, hein? Si tu n'es pas parti, il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir tenter Dieu. On a bien dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites deux rangs ici. Deux rangs. Amen. Vous qui êtes ici, là, vous faites un seul rang. Amen. Un seul rang, là. Un seul rang. Vous faites un seul rang. Amen. Un seul rang. Un seul rang. Un seul rang ici. Amen. Attendez, attendez. Deux rangs. On a compris. Maintenant, comment ça va se passer? S'il vous plaît, restez concentrés. Je m'arrête concentré. Avec le Saint-Esprit, ne soyez jamais distrait. Amen. Parce que vous marchez avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà comment vous allez faire. Vous prenez le pain et vous prenez le vin. Vous mangez le pain et vous buvez le vin. Et vous déposez en même temps le vin pour passer, pour donner la place à l'autre. Il ne faut pas venir t'adresser ici, t'asseoir, manger, boire, non. Amen. Parce que tu prends rapidement l'autre point aussi. D'accord? C'est clair? Donc quelqu'un va rester là pour nous rincer les vins, etc. Amen. Donc approchez de la table du Seigneur avec humilité. Vous m'avez dans la crainte de Dieu. Maintenant, il donne la place à l'autre. Celle qui est chargée de la vie et de rester, elle est là, non? Vous mettez voilà. Dans l'eau là. C'est l'eau qui est en bas. Là, en même temps, on lave. Quand vous venez de boire, vous mettez le vin dans l'eau, vous rincez, voilà, vous mettez. Et quelqu'un se charge même de mettre un à un. Donnez-moi, je vais faire ça. Vous rincez, moi je vais. Voilà. Tu prends, tu vas te mettre à genoux, tu commences par prier, tu dis Seigneur, aujourd'hui je m'engage véritablement à marcher dans l'obéissance. À te suivre, Seigneur. Seigneur, à ce que tu me remplisses, que ma vie soit remplie de ton feu, de ton amour. Si tu n'es pas baptisé, il ne faut pas t'approcher d'ici. De peur d'être frappé par la colère du jugement de Dieu. Donc, on ne tente pas Dieu. Maintenant, si tu es baptisé et que tu te sens indigne de venir, là où tu es, continue à prier encore, dis Seigneur. Je n'ai pas pu m'approcher à table aujourd'hui, mais Seigneur, rends-moi digne de m'approcher à table prochainement. Amen. Toi aussi qui n'as pas été baptisé, reste à table et dis Seigneur, je veux vraiment participer à cette table. Mais fais en sorte que le monde soit aussi bénéficiaire de cette grâce. Amen. Maintenant que tu finis, amen, va prier. Si tu es malade, Seigneur, tu vas me guérir. Tu vas me guérir, Seigneur. Seigneur, tu vas me guérir. Tu vas me guérir, Seigneur. Tu vas me guérir, Seigneur. Tu vas me guérir, Seigneur. Donne-moi le jus. Venez doucement, doucement, doucement. Tout le monde va prendre. Amen. Quel que soit le temps que tu fais dans le rang, tu vas t'approcher de la table. Amen. Mon petit, on a parlé des djinns. Hein. Il faut brûler ça. D'accord? Voilà. Qui n'ont pas été baptisés, priez, dit Seigneur, je veux vraiment participer à cette table. Bénis-moi aussi, Seigneur. Guéris-moi, remplis-moi. Le Seigneur va te faire la même chose. Il est miséricordieux, il est généreux. C'est le Dieu d'amour.
Voilà, continuez de prier. Continuez de prier, demandez tout ce que vous voulez au Seigneur. C'est bon, là. Tiens-toi sur les deux pieds. Amen. Nous allons rentrer dans ce moment très, très, très important. C'est maintenant que la bénédiction tant attendue va descendre. C'est maintenant que tout ce que tu désirais depuis toujours, à travers ce programme, c'est maintenant que tu vas recevoir cela. Je veux vraiment que tu te laisses disposer. Laisse-toi disposer. Abandonne-toi. Je veux que tu restes concentré, reste debout. Tiens-toi sur tes deux pieds. Je ne t'ai pas dit de t'asseoir, reste debout. Alléluia, restez debout. Restez debout, s'il vous plaît. Amen. La gloire de Dieu veut descendre. Le feu du Saint-Esprit va descendre.
ceux qui recherchaient, ceux qui disaient Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, je veux expérimenter la puissance de Dieu. Seigneur, je cherche le Saint-Esprit. Toi qui es là, il a lui et tu as soif. Tu as soif. Il est meilleur de la puissance de Dieu. Tu as soif. Marcher dans la crainte de Dieu. Le Romain veut, c'est pour toi. Le Saint me dit qu'il est là. M'a dit quoi? Il est là. Il dit, venez aux eaux. Vous qui avez soif. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Venez. Vous qui avez soif. Mais tu n'as-tu pas soif? Il dit l'homme là. Tu as soif. Mais dis l'homme là. Tu as soif. Dis l'homme là. Tu sais. Tu as recherché. Oui, le Saint-Esprit. Tellement tu l'as désiré. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as médité. Tu as tout fait. Tu cherches le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, Jésus, voici le moment. 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 Le moment où la puissance. Le moment où la puissance. Le Saint-Esprit. Seigneur, tu les baptises. Ils t'ont cherché. Ils t'ont cherché. Ils ont marché. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu les laisser. Ainsi, non, tu ne les laisseras pas. Tu ne peux pas les laisser. Tu ne vas pas les laisser. Tu la soif. Tu ne vas pas les laisser. Tu la faim. Alors, Vous recevez.
I'm going to go to the hospital.
Oh,
Esprit de confusion. Esprit de confusion. Fais sur toi. Fais sur toi. Est-ce que tu vas la lâcher? Est-ce que tu vas la lâcher? Jésus, nous avons prié. La vie cachée des méchants. Il vous révèle maintenant. 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 Il vous révèle maintenant.
dons de Dieu. Recevez la révélation. Recevez, recevez, recevez. Les dons de langue. Les dons de langue. Les dons de parler en langue. Les dons d'interprétation. Les dons de diverses langues. Recevez, recevez, recevez. Les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Les dons de prophétie. L'onction prophétique descend en chemin. L'onction prophétique est relâchée. L'onction de prophétie est relâchée maintenant. L'onction de prophétie est relâchée. Recevez l'onction prophétique. Recevez l'onction. L'onction de prophétie change quelqu'un. L'onction de prophétie change quelqu'un. L'onction de chercher quelqu'un. L'onction de chercher quelqu'un. Il cherche un cœur. Cherche un cœur. Maintenant. Maintenant. Reçois l'onction. Reçois l'onction de prophétie. Reçois l'onction de prophétie. Reçois l'onction de prophétie. Reçois l'onction de prophétie. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur équipe son église. Le Seigneur équipe son église. Le Seigneur équipe son église. Maintenant. Il équipe son église de toute sa puissance. Il équipe son église de toute sa puissance. Aujourd'hui, la puissance est descendue maintenant sur chacun de vous. Pour chasser les démons. Recevez l'autorité sur les démons. Recevez l'autorité pour chasser les démons. Vous la recevez maintenant. Recevez-la. Recevez-la. Aucun esprit ne peut rester devant vous. Recevez l'épée. 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 L'épée de l'esprit. Vous la recevez. Vous la recevez. Vous la recevez. Vous la recevez l'épée. Aucune puissance, aucune entité ne peut rester devant vous. Aucun sorcier ne tiendra devant vous. Recevez la puissance. La puissance descend dans l'église. Cette église est baptisée. Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Église de la vérité. Église de la vérité. Église des saints. Église de la sainteté. À part d'aujourd'hui, l'épée de l'Éternel descend en ce lieu. L'épée descend en ce lieu. L'épée descend en ce lieu. L'ange descend maintenant. L'ange descend. Il descend. Il descend. Il descend pour s'établir cette église. 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 Il descend maintenant. L'ange de Dieu descend maintenant. Il 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 descend maintenant. Pour s'établir cette église. Pour s'établir cette église. Il descend maintenant. Aucune force des ténèbres ne prévaudra point ici. Aucune puissance de la sorcellerie ne restera pas dans cette église. L'ange descend maintenant. Pour y demeurer jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour. Il est descendu avec son épée. Il est descendu avec son épée. L'ange de Dieu descendu dans cette église. L'église de Caleta. Oh, l'ange descend maintenant. Il descend avec sa grande épée. Et il sort l'épée maintenant. Et il lève son épée maintenant. Sur cette église. Toute puissance. Toute force des ténèbres qui tenteront s'infiltrer dans ce lieu seront taillés, seront taillés, seront taillés. L'ange lève son épée, l'ange lève son épée. Elle taille, elle taille, elle taille, elle taille. L'ange qui protège notre peuple, l'ange qui protège le troupeau est là. L'ange qui est là pour protéger le troupeau. Le troupeau de Jésus revient. Le Canada, l'ange est descendu. Il est là, il est là. Il est là. Ses yeux sont enflammés. Oh, ses yeux sont enflammés. Oh, ses yeux sont remplis de feu. Oh, ses yeux sont remplis de feu. Oh, ses yeux sont remplis de feu. Et sa voix ressemble au tonnerre. Sa voix ressemble au tonnerre. Il parle comme le tonnerre. Oh, il parle comme le tonnerre. Wow. Et les montagnes se brisent. Et les montagnes se brisent. La terre se fonde. Les eaux s'assèchent. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Mais parle en ce lieu. Oui. Seigneur Jésus, ton ange est là. Et ton église est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit, reçois. Reçois Seigneur Jésus la gloire. Reçois la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu reste concentré. Amen. Amen. Maintenant, le Saint veut établir encore ses serviteurs, ses servantes. Vous restez debout. Alléluia. Amen. Ne restez pas assis. Ah, non,
Le Seigneur ne peut jamais établir quelqu'un qui est assis. Celui qui est debout montre qu'il est prêt pour lui. Celui qui est assis, qui n'est pas encore prêt. Vous allez demeurer comme ça. Vous allez ouvrir vos mains. Vous allez toujours fermer vos yeux. Le Saint-Esprit va choisir. L'heure du choix est venue. Dis, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je vous ai établi afin que vous portiez des fruits. Alors le moment est venu. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Descend. 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 Descend, pour établir ses servantes, Laissez tranquille, laissez-le Dieu. Qui connaît ceux qu'il a choisi. Ne l'imposez pas la main des hommes. S'il vous plaît, ne l'imposez pas les mains aux gens. S'il vous plaît. N'imposez pas les mains aux gens. N'imposez pas les mains aux gens. Merci. Toute infiltration est dévoilée au nom de Jésus. Toute infiltration. Seigneur, où est maintenant?
Seigneur, moi maintenant. Seigneur, moi maintenant. Que l'onction ne commence pas à couler. Tout. Les intercesseurs, ils vont intercéder. Seigneur, où est-ce Seigneur, tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu de douceur. Tu n'es pas un Dieu de violence. Si c'est ton esprit, on doit remarquer la Seigneur douceur. Jésus, manifeste ta grâce. Oui, Seigneur. Seigneur, la douceur, un Dieu de douceur. Si c'est toi, si c'est toi, tu les amènes par ton esprit sain. Tu touches et tu amènes. Seigneur, si c'est toi, celles qui vont te servir dans l'église de Kaneta ici, dans l'église Jésus revient, de Kaneta ici, toi-même, tu connais leur cœur. Ceux qui ont le cœur noir, ils se noient. Ceux qui ont le cœur, ils troublent ton église, tu les éloignes. Mais ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur, et qui veulent que l'église Jésus revient. Ici, sois une réalité. Où qu'elle soit en ce moment, tu les touches, tu les amènes toi-même. Seigneur, les femmes intercesseuses, où qu'elles soient, que tu veux, qu'elles te servent. Oh Seigneur, Seigneur, touche et amène-les. Seigneur, touche-les et amène-les. Seigneur, ma fille, tes femmes, tes intercesseurs, tes chants, restez tranquille. Restez tranquille, restez concentré. Le Saint-Esprit est là, dit Seigneur. Tu peux même le sentir. Il est là et il te touche. Amen. 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 Aujourd'hui le règne de Dieu. C'est Jésus qui va régner ici. Le Saint-Esprit te touche. Il est là. Yeah.
Thank you.
rencontre spéciale. Rencontre spéciale avec le Seigneur. 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 Que Jésus soit élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à ton coucher. Que Jésus soit élevé. Adonai.
là. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que Jésus Jésus que de Nazareth est roi. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est tout puissant. Que Jésus soit élevé. Adonai. Tu le fais du soleil jusqu'à son coucher, que Jésus soit élevé. Adonai. Tu le fais du soleil jusqu'à son coucher, que Jésus sois élevé. Adonai. Du lever et du soleil jusqu'à son coucher, que Jésus sois élevé. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que Jésus soit élevé. Ton père, actuellement, il est en train de brûler en enfer. Et tous ceux qui portent son habit reçoivent son esprit en eux. Il faut dire ça à ce frère qui a porté Tupac là. Tupac, ce n'est pas un modèle, c'est un démon de chair. Tu le fais. Prie-moi dans tes yeux, nom de Jésus. Prie-moi dans tes yeux. Qui est monté ici? Jésus parle.
aucun démon ne peut parler. Jésus instaure son règne. Jésus doit être adoré dans ce village. Jésus doit être le seul Dieu qui règne dans ce village. Alors, les démons, les esprits de sorcellerie, ils doivent quitter ce village. Ils quittent maintenant ce village. Ils ramassent leurs bagages. Ils sortent de ce village. C'est Jésus qui règne désormais dans ce village. C'est pourquoi son église, son troupeau a vu le jour dans ce village. Aujourd'hui, Jésus prend contrôle de ce village et son règne descend dans ce village. Il n'y a pas ce sorcier qui va lever son petit doigt pour l'empêcher. Les sorciers ramassent leurs bagages et sortent de ce village. Maintenant, au nom de Jésus, les sorciers ramassent leurs bagages et sortent. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Du lever du soleil jusqu'à chanter son toucher, que Jésus soit élevé. Si tu as venu ici pour tenter les enfants de Dieu, tu as une Thank you.
de Jésus.